Salut les créateurs et bienvenue sur la chaîne Sans Création Zéro Défi. Aujourd'hui c'est Pantox Drew et on se retrouve pour une nouvelle vidéo basée sur la 13e semaine de défi. Cette semaine donc j'ai décidé de la dédier aux bouches. Y'a point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. La quoi? C'est le diamant. Pour les deux premiers niveaux, j'ai décidé de vous tester sur le placement d'une bouche par rapport à la position d'un visage. Et pour le troisième niveau, histoire de corser un peu les choses, je vous ai demandé de travailler une bouche réaliste. J'espère donc que cette nouvelle semaine de défi vous plaira et j'ai maintenant hâte de voir vos futures créations. Pour en revenir à la vidéo, j'ai décidé de réaliser un petit tuto pour ceux qui vont s'attaquer au niveau 1 et ainsi vous donner quelques clés pour passer plus facilement une bouche sur un visage de face. Donc si vous êtes prêts, on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Comme mon précédent tuto de la semaine 7, vous devrez commencer par tracer ce fameux cercle qui représentera le crâne de votre personnage. Tracez ensuite une ligne verticale qui vous donnera la symétrie du visage, un premier trait horizontal qui représentera le centre du cercle, et juste en dessous de celui-ci, une autre ligne horizontale qui vous donnera l'alignement des yeux. En bas du cercle, vous avez une autre ligne horizontale qui vous aidera à placer la base du nez. Ensuite, séparez la ligne des yeux en trois segments distincts pour séparer chaque œil et le nez. Tracez ces deux mêmes lignes en diagonale pour vous aider à placer le menton et ensuite tracez la base du menton. Après tout ça, nous pouvons ensuite attaquer le placement de notre bouche. Donc pour commencer, nous allons diviser l'espace entre la ligne du nez et la ligne du menton en trois parties égales. Alors pour la ligne supérieure, on retrouve celle de la vidéo que j'avais fait sur les yeux, où vous pourrez tracer votre cavité buccale avec votre compas. Et pour la ligne inférieure, vous aurez donc le creux du menton, là en fait, où vous avez le bas de votre gencive. Et pour en terminer avec nos lignes de construction, vous devrez séparer la ligne du nez et la ligne de la bouche en deux parties et la ligne de la bouche bas du menton en deux parties qui vous donnera la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Ici, je vais vous donner une dernière petite astuce en fait pour connaître la largeur de votre bouche. Donc vous devrez commencer par tracer les yeux. Placez ensuite les iris, comme sur l'exemple, au centre des yeux. Et pour finir, tracez deux lignes verticales partant de la base intérieure de ces iris pour connaître la dimension de votre bouche. Et voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à maintenant. Vous avez toutes les clés pour réaliser votre première bouche de face dans les bonnes proportions. Alors pour vous entraîner, je ne vous conseille pas de reproduire la même bouche que ce dessin. Partez plutôt d'un exemple d'une bouche réaliste ou d'une photo de vous-même d'ailleurs. Ça vous aidera par la suite à moduler votre bouche à votre façon, dans votre propre style. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous balancer vos questions en commentaire sur Instagram ou sur cette vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre. Bonne chance à tous pour cette nouvelle semaine de défis et n'oubliez pas, sans création, il n'y a aucun défi.